type of reason. Missing someone. Missing someone. Hello tout le monde, aujourd'hui lundi. Alors ici c'est férié aujourd'hui. Voilà. Et je sais pas si vous le constatez, mais j'ai un pull et j'ai un manteau. Oui. Aujourd'hui, pour eux, il fait très très froid. Pour nous, il fait genre froid. Mais pour eux, il fait genre méga froid. Je vais vous montrer d'ailleurs la gueule du ciel. Je pense qu'on va se prendre la pluie dans la figure. Mais il y a de la grêle en fait qui est en train de tomber. C'est un truc de ouf. Attends, est-ce qu'on peut la voir genre... Non, ouais, non. Elle est toute petite, mais il y a de la grêle. Bref, on démarre la journée en allant chez CVS, qui est la pharmacie locale. Alors je vais vous raconter pourquoi, et non mais je suis en train de me prendre, ah bah voilà, non, on voit pas. C'est, je sais pas, je trouve ça improbable qu'il y ait de la grêle en Californie, mais bon oui bien sûr, mais... Bref, j'ai de l'urticaire, c'est vraiment sexy. J'ai une putain de poussée d'urticaire sur tout le corps, c'est dégueulasse. Et je pense que c'est dû en fait à l'alimentation que j'ai ici. Bon, je fais quelques petits excès, mais je pense qu'elle contient définitivement pas les mêmes produits que ce qu'on a en France. Je pense qu'elle est beaucoup plus grasse et plus sucrée et que mon corps il est en train de péter un câble. Bon, du coup, ils m'ont filé une petite crème contre les irritations. Ok. Et... Ah oui, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, ils m'ont filé quand même une crème à la cortisone, avec de la cortisone. J'étais là, non, pas vraiment, pas de cortisone. Un truc plus léger, s'il vous plaît. Donc voilà, un peu moins efficace, mais au moins, je me défonce pas la peau à la cortisone. Ils m'ont filé des... comment on appelle ça? Antihistaminiques. Ouais, voilà. Bon, ça risque de me faire dormir un peu, donc je pense que je vais les prendre que le soir. Puis j'en ai profité du coup pour acheter un recourbe cils, un petit mascara, et surtout, lui, je l'adore, le crème... comment on dit? Le gel crème pour les yeux Hydro Boost de Neutrogena. Petite courge. Grosse courge. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, par contre il fait un peu frais pour manger en extérieur. Donc on va devoir trouver quelque chose en intérieur. Ah oui d'accord. En France, il n'y a pas grand chose d'ouvert encore pour déjeuner, donc on s'est arrêté là, c'est dans le Grove hein, toujours. Apparemment c'était un vieux diner depuis 1938, il y a plein de trucs à manger. C'est typique, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, bah c'est parti pour cette petite détox anti-urticaire. Ah oui, non, mais il y a des feuilles d'épinards. Alors que l'épinard, c'est pas recommandé. Bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un gros burger ou un truc chelou comme ça. Qu'est-ce que t'as acheté? Je vais te montrer, j'ai acheté tellement de trucs dans ce sac. Oh là là! On va voir Mad Men, c'est en fait un peu l'Apple Store de la weed. Donc on a envie d'aller y jeter un coup. Ouais, parce que ça vient d'être légalisé en fait en Californie. Alors on fume pas, mais tout le monde nous a dit qu'il faut que vous alliez voir, c'est un truc de malade. Je sais pas par contre si je pourrais filmer à l'intérieur, je suis même pas sûre, mais non, apparemment c'est interdit, mais j'essaierai de vous mettre des photos ou quelque chose que vous puissiez comprendre. Et je sais pas, tout le monde t'a dit quoi là-dessus? Bah moi, alors je connais plein de... Bien sûr, j'ai plein de potes qui fument, qui sont allés là-dedans, m'ont dit c'est la guerre, c'est l'Apple Store, moi je fume pas. Mais par curiosité, j'ai envie de voir, on m'a dit faut que t'ailles voir, genre c'est le supermarché, genre Apple Store tout propre et tout, mais pour la beuh, donc j'ai envie d'aller voir. Même de la weed pour votre chien et pour votre chat, s'il vous plaît. C'est super, mon amour. Je découvre. C'est fascinant. Alors ici on peut sentir les bœufs en fait. Mais on ne peut pas filmer trop les gens, mais il y a de tout, il y a même du shampoing, du savon à la weed. Et en fait, il faut qu'on leur montre. Il faut qu'on vous montre en fait. Vous avez différentes sortes de cannabis selon ce dont vous avez besoin, si genre vous voulez être complètement foncé, si vous voulez juste être relaxé, si
si vous avez des maux dans votre corps. Mais enfin, moi je fume pas, mais je trouve ça hyper intéressant. Franchement, si vous passez, venez jeter un œil, c'est marrant. Si, merde, ça commence, les têtes de mort et compagnie, quoi. Ah oui, d'accord, donc nous on doit faire ça en fait, ok. C'est parti, je vais faire mon premier escape room. C'est ça, nous. Qui ça, nous? Non, les mecs. Et en fait, on a fait la bande des peureux et la bande des pas peureux. Bon, forcément, je fais partie de la bande des peureux. C'est quoi les noms? On balance pas les douces. Regarde, c'est ce qu'ils font, eux, c'est horrible. Bref. Et du coup, je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je vous donnerai mes impressions après. Mais hein, ça, c'est la team des filles. Non, venez, ça, c'est la team de... Voilà, la team. Oh, ça a l'air horrible. Ça, c'est la team des peureuses. C'est nous. C'est nous. Hugo, ça va? Bon, on a fini l'escape room. Comme d'habitude, on a envie de manger. Il est minuit. Et un des seuls endroits ouverts, c'est Mel's Drive. West Hollywood, eux, ils ont fou rire. Ça va être fantastique, ce repas, je crois. Bon, on va faire un petit débrief sur l'escape room. Alors moi j'ai fait l'escape room pas très difficile, donc voilà, ça faisait pas très peur. Par contre, il y a eu un souci parce que la salle en question, elle a bugué, donc on avait en tout 5 pièces à faire, on a fait que 3 pièces, un peu relou. Et les mecs, eux par contre, apparemment, ils ont fait une escape room hyper badante, genre dans une clinique. Vous avez eu peur ou pas? Oui, il y a des moments où ça faisait peur quand même. Ouais. En vrai, ouais. Mais à base de quoi? De cadavres. des clés à prendre dans la bouche des cadavres. Genre dans le noir? Des corps qui pendent, ouais. Bon bref, franchement c'était chambé, je pense qu'on va y retourner avant de repartir. J'adore Mathieu qui te dit quand même, j'ai fait exprès de pas te demander de frites. Bah ouais. Ben, en attendant, voilà quoi. Hein. Mais c'est 10 asperges. Moi j'ai rien dit, moi. J'ai laissé faire. Ah toi tu t'es fait kiffer là. D'ailleurs ouais. C'est quoi toi? C'est des sticks de mozzarella? Non, c'est fish and chips. Tu as commandé du poisson donc. Selfie. Voilà. Bon bah, comme je suis une meuf hyper pas drôle, bah, salade de quinoa. Et son petit âge. Voilà, essayez de faire gaffe quand même.